Salut les rocketeurs. Alors, on en pense quoi du nouveau décor? Ah là 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 là, il est incroyable, je suis vraiment trop content de bosser dans ce nouvel environnement. Et en plus, c'est pas la seule nouveauté parce que je rêve depuis très longtemps de faire mes intros debout. Et voilà, c'est enfin possible avec ce nouveau décor, donc je suis vraiment trop heureux. Je peux me déplacer dans la pièce, regarde. Je suis vraiment super content de vous retrouver aussi parce que bah voilà, l'année 2023 pour moi c'était une année de pause et j'avais envie de revenir de plus belle en 2024 en ayant un rythme de vidéo un peu plus soutenu. Hein. Il n'y a pas eu beaucoup de vidéos en 2023 et j'aimerais en faire un peu plus en 2024, donc j'espère que je vais y arriver et je suis dans les meilleures conditions pour ça avec ce nouveau décor. Enfin bref, aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire comme vidéo? Eh bien c'est la classique test de voiture en freestyle comme on fait souvent, et pour cette fois on va jouer une voiture que j'attendais de pouvoir jouer impatiemment depuis plus de 5 ans. En effet, le 24 septembre 2018 sortait le DLC Hot Wheels sur Rocket League, et c'est un des seuls DLC Rocket League que je n'ai pas acheté à l'époque. J'ai quasiment acheté toutes les voitures du jeu qui sont sorties depuis 2015, et le seul que je n'avais pas c'était le DLC Hot Wheels. Et je l'ai amèrement regretté. Et oui, parce que dans ce DLC, il y a une voiture qui représente pour moi le meilleur mélange entre la Octane et la Fennec. Et la voiture en question, c'est la voiture qui s'appelle Fast 4WD. Et récemment, j'ai été très heureux de voir que Epic Games a ressorti le pack Hot Wheels, et j'étais trop content. Personnellement, j'adore jouer cette voiture en ranked depuis quelques semaines, mais j'avais envie de voir ce que cette voiture a sous le capot en freestyle. Et c'est le pourquoi de cette vidéo. Vous connaissez la chanson, on va aller en ranked 1v1, on va essayer de gagner une game en ne faisant que des clips freestyle. Et après cette game, vous aurez le droit au meilleur moment de cette vidéo, c'est la compilation des clips que j'ai réussi à mettre avec cette voiture. En tout cas, j'espère que vous êtes content de mon retour, j'espère que vous avez hâte de voir tous les clips que j'ai réussi à mettre avec cette voiture. Et d'ailleurs, ce sera après le sponsor de la vidéo qui est tourné dans l'ancien décor, le sponsor qui est repeat.gg. Est-ce que tu savais que tu pouvais gagner de l'argent en jouant à Rocket League? Eh bien, c'est possible avec le site repeat.gg. Je t'explique comment ça marche. Pour commencer, tu peux cliquer sur le lien dans la description juste en dessous et tu t'inscris sur le site, c'est complètement gratuit. Et ensuite, tu lis tes comptes de jeu avec le site repeat.gg. Car oui, ce n'est pas que avec Rocket League. Ça peut marcher également avec Fortnite, League of Legends ou PUBG pour ne citer que. Donc, ça peut vraiment être très intéressant si tu joues à tous ces jeux-là. Dès que tu as lié tes comptes de jeu, c'est tout. Tu n'as plus qu'à lancer des games sur ton jeu favori. Chacune de tes parties sont traquées et rapporte des points sur le site repeat.gg que tu pourras échanger contre des cartes cadeaux Steam ou Amazon, et tu peux même acheter des V-Bucks Fortnite avec ces points, donc il y a vraiment de quoi se faire plaisir. Repeat.gg, c'est vraiment une plateforme unique en son genre, il y a tout le temps des tournois disponibles, et ça dans tous les modes de jeu. Et dans certains tournois, vous retrouverez des récompenses à plusieurs milliers d'euros. Rien que sur Rocket League, il y a plus de 25 000 $ de récompenses à aller chercher par mois. Donc ne perds plus de temps, je t'invite à t'inscrire sur repeat.gg via mon lien dans la description, et commence dès maintenant à gagner de l'argent en jouant à Rocket League. Merci à repeat.gg d'avoir sponsorisé ma chaîne, et maintenant, place à la vidéo. Ok, c'est parti pour la game Ranked 1v1, un peu en mode freestyle to SSL, hein, si vous connaissez le mode de jeu inventé par Evample. Et d'ailleurs, j'en précise que moi, je fais une série freestyle to SSL sur ma chaîne secondaire qui s'appelle Gaspo Road 2. Oh, donc n'hésitez pas à aller voir si ça peut vous intéresser, ce genre de contenu. J'essaye de monter SSL en me faisant que des games où je ne marque que en freestyle, à l'image de ce double reset musty que je viens d'infliger à Zerok. Je précise que je joue à peu près à l'Elo 1130, donc c'est quasiment GC1, donc c'est champ 3, div 2 je pense, un truc comme ça. Et je n'ai pas joué de 1v1 au début de la saison, ou alors j'en ai joué une, je crois. Donc c'est mes games de placement que vous voyez actuellement, j'avais pas joué en 1v1 de la saison. Donc ben voilà, c'est pour ça que ça va peut-être être compliqué, parce que je pense que le jeu va me tester en me mettant des adversaires assez forts en game de placement pour voir si je mérite le rank champ 3. Et vu que j'ai la contrainte du freestyle only, ça va être compliqué. Alors, j'espère que vous l'aimez bien cette voiture, la Fast Forward. Franchement, elle a de la gueule. D'ailleurs, je pense qu'on m'a dit en live qu'il y a débat sur pourquoi elle s'appelle Fast 4WD. Non, j'espère que c'est pas but. Ouais, il y a un petit débat parce qu'en fait, apparemment, c'est soit 4WD pour les 4 roues motrices. Donc, c'est 4 four wheels motrices en anglais. Ça doit commencer par un D. Je sais pas exactement c'est quel mot. Mais apparemment, ça peut être aussi fast forward. Pour le WD veut dire forward, en fait. Donc, je sais pas. Si quelqu'un sait, peut-être que quelqu'un a l'info. Quelqu'un travaille chez Hot Wheels, peut-être. J'aimerais bien avoir l'info. Hop, ok. On va essayer d'aller chercher le sailing shot. Et c'est dedans! La barre est rentrante. Ça me régale. J'espère que le cadre est pas trop grand. Je voulais revenir à un format 16/9.
Pour record de vidéo, là c'est la première fois que je fais une vidéo avec ce décor, donc je sais pas si ça rend bien ou pas, mais j'ai l'impression que ça gêne pas trop de voir ma tête, ça gêne pas trop la voiture, on voit le gameplay quand même. Et je la save. Bing. Il faut pas que je perde surtout, c'est important. Ok. Ah, il me prend le boost. Bah, je peux la clear et prendre le boost là, moi. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué en 1v1 sur mon compte principal. Depuis la série 1v1 Road to SSL. Oh, pas fake. Ok. Ok, on va voir ce qu'il va me faire. Ouh là 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 là, ça a du mal à partir à air dribble. Ok. Ouah. Ah, je peux pas. Putain, je peux pas. Il reste 2,46. Je mène, en vrai, je mène. Donc, pas de quoi s'inquiéter. Mais j'aimerais bien mettre plus de clips, en vrai. Genre un petit Breezy. Le Breezy qui part pas, malheureusement. Je déteste quand le Musty part pas comme ça. Ok, on va aller chercher le boost. Ok, je vais essayer de la... Ah, je voulais la retoucher. Ça aurait été trop bien. Ouais, je fais un petit 3-6. Hop, on élimine. On va aller chercher du boost. Ok, reset. Oh, la puissance du reset. What the fuck. Ah, dommage. Je sais que j'aimerais trop mettre un reset puissant comme ça, qu'il envoie tellement haut et que j'arrive à re-suivre et reprendre un reset. C'est vraiment un but très joli et très dur à faire. J'avais déjà réussi à le faire en triple reset à une époque. Bon là, ça fait longtemps que j'ai pas sorti de Gaspo Goal. Faudrait que je sorte un Gaspo Goal pour le montrer, parce que je crois que je l'ai pas montré sur YouTube. Mais j'ai mis un but... où je mets un triple reset, où je vais survoler la balle au deuxième reset. Et je vous le montre. Probablement un de mes plus beaux buts de 2023. Musty. On va contrer. Ok. Non, j'ai troll. Après, j'ai troll, mais est-ce que c'est but? Est-ce que c'est but? Pas sûr, hein. Pas sûr que ce soit but. Il a trop bien joué. En vrai, il a trop bien joué. Chapeau à l'artiste. Je ne peux que m'imposer. Je pense que là, même en full tryhard, j'aurais pris le but. Donc, bien joué à lui. Allez, on va chercher le boost tout derrière. En vrai, ça fait bizarre de faire une vidéo pour ma chaîne principale. J'en ai pas fait depuis tellement longtemps. J'espère vraiment que j'arriverai à retrouver un rythme de vidéo sérieux. Hop. C'est dans mes projets. Ah putain, je sais pas faire un setup. Sérieusement, allez. On va refaire un setup. Et cette fois-ci, on va le faire correctement. Ouais, bon, le reset est pas dingue. C'est con parce que j'ai vraiment l'impression de bien jouer mécaniquement cette voiture en ranked. Et là, je suis en full freestyle et j'y arrive pas. Allez, c'est pas fini, c'est pas fini. Et hélico. Je l'ai éliminé. Bon, est-ce que je marque ça? Non, je marque pas ça. J'ai un peu raté mon move, ça s'est vu. Même si je l'ai éliminé. Ok. Il va reset. Il m'a bump. Oh, la chance que j'ai eu par contre. J'ai eu tellement de chance. Ok. Reset. Et c'est la lucarne avec le reset. Magnifique. On est très content. Ça fait 3-3. Ouais, j'arrive à tenir en champ 3, hein, ça m'étonne. Champ 3 1v1, c'est quand même pas facile. Les gens qui ont le niveau GC1 minimum. Oh, corner. Oh, dommage. Ok, il reste 20 secondes, faut surtout pas que je perde. Oh, reset. Oh, il a eu peur du contre. Il a eu peur du contre. Et du coup, c'est but. Bien joué. Joueur live maintenant. Ah, en plus, c'est un Français qui me reconnaît. Incroyable. Et oui, je joue en live parfois, je joue aussi. Je fais des vidéos, les gars. J'ai fait des vidéos, je sais que ça peut paraître fou. Mais je fais quelques vidéos. Des fois. Ah. Pogo. Ah bon, il a surhande. Il a surhande. Merde, j'avais pas vu qu'il y avait mes trucs de Twitch d'afficher. Bon, c'est pas grave. Voilà, on était contre un champ 3, Zerok, qui est un Français, donc il m'a reconnu. Bien joué à toi, Zerok. C'était une belle game. Et maintenant, on passe au moment que personnellement, je préfère dans les vidéos comme ça, et je pense que vous le préférez aussi. C'est le moment où je vais aller clip en freestyle pendant 2 heures, 3 heures en casual,
et je vous montre les meilleurs clips que j'ai mis avec cette voiture. J'espère que ça va vous plaire, cette petite compilation. Attention, le freestyle avec la Fast 4WD, c'est parti maintenant, tout de suite devant vos yeux. Bing, voilà. Oh. Oh, ça clip ici. Oh. Bing, allez. Oh. Oh là 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 là, ça clip. Oh là 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 là, mais c'est incroyable ce clip, what the fuck. Oh. Bing, voilà. Et... Ok. Oh. 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 Oh oui. Oh. Oh là là, c'est dedans. Let's go. C'est dedans. Allez hop, le clip. Oh là 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 là, incroyable. Oh, boost. Ouais, j'ai le boost. Oh, il bump. Attendez, attendez. Oh, c'est fou. Oh, c'est fou ce but. Il est fou. Incroyable. Wave dash. Pitch. Oh, c'est moi qui clip. Oh là 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 là. Mais ça clip. Oh oui, je suis armé, je suis armé. Oh, la combinaison. Oh, c'est le Barça. C'est le Barça sur votre écran. Mais c'est incroyable. Oh. 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 Oh, le clip de fou. Le clip de fou. Monsieur Risette, tout Risette. Oh là 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 là. Oh, le clip de fou furieux. Et voilà les gens, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, ça m'a plu énormément à tourner. Vous avez vu, hein, je crois que c'est un des tests de voiture que j'ai fait en vidéo où il y a le plus de beaux buts dans la compilation freestyle. Vraiment, j'ai mis des buts extraordinaires et dont un qui est parmi mes plus beaux buts de tous les temps, hein, le Musty Into Reset, Into Reset barre entrant. Je pense que j'ai jamais mis un but aussi beau que celui-là. Donc vraiment, la preuve que cette voiture est incroyable. Je vous conseille de l'essayer si vous l'avez. Et si vous l'avez pas, bah, vous avez juste à attendre la prochaine sortie d'un pack Hot Wheels. Mais bon, je pense pas que ce sera cette année vu qu'ils viennent de le sortir. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous êtes content pour mon retour. En attendant, on se dit à dans quelques jours pour la prochaine vidéo sur ma chaîne. Je vous promets qu'il y en aura une dans les prochains jours et pas dans les prochains mois. C'était Gaspo, abonnez-vous, ciao !